c'est un juge départemental qui va être désigné pour les patrons doivent payer. Assez de cette société qui n'offre que le chômage et la précarité. La victoire, elle est là. Elle est que près de 5 ans après, plus de 200 camarades de Clairoy sont venus de Compiègne pour manifester. Il y a aussi le soutien des camarades de Ponsa et d'autres, de ceux de l'ensemble des usines continentales, c'est-à-dire de l'affirmation de nos intérêts communs à nous les travailleurs. Et la victoire, elle est que toujours, vous avez décidé de dire on ne baisse pas les bras. C'est peut-être 5 ans après, mais des copains qui sont menacés et d'autres même qui ont déjà retrouvé un travail ont tenu à faire l'effort pour dire on reste ensemble, on ne lâche pas. On est à côté de nos camarades, on continue le combat pour faire respecter les accords signés. On fait la mobilisation se continuer pour affirmer que personne ne doit rester sur le carreau. Eh bien, c'est un message de ténacité qui vaut pour tout le monde. Qui vaut pour tout le monde. Qui vaut pour l'ensemble des camarades de continental, mais qui vaut pour les autres. Le jour où tous les travailleurs, les centaines de milliers, les millions qui sont attaqués, seront capables de faire bloc, de ne pas lâcher, eh bien les choses changeront. Même à quelques-uns, l'important c'est de dire non, de se lever, et de ne pas se poser la question combien on est, mais de dire je refuse, on refuse, l'inacceptable. Eh bien, c'est déjà cette victoire-là, il y a l'ancien médecin, le Continental qui est là, il peut le dire, le moral, il est toujours là. Grâce au combat qui a été gagné en 2009, le moral continue. Et c'est ça l'essentiel, c'est que nous sommes, nous les travailleurs, dans notre droit d'exiger. Droit d'exiger, justement, vous avez vu ici, c'est la patrie des diamantaires, et des bagues à 1 million d'euros. Parce que les riches ne savent pas comment dépenser leur pognon. Donc on va donner à moi. Eh bien Continental, comme d'autres groupes, c'est l'exemple. Et je tiens à rappeler qu'entre 2009 et aujourd'hui, ils ont accumulé des milliards. Ils n'ont jamais été en déficit. C'est pas nous qui le disons, c'est le président du directoire, fin septembre, qui l'a affirmé. Aujourd'hui, encore une fois, je le répète pour que c'est tellement inimaginable qu'il faut comprendre ce que ça veut dire, que le cours de l'action continentale, grâce au licenciement qu'ils ont fait à Clairoy, à Stocken, à Rambouillet, à Asnières et dans d'autres usines, grâce aux menaces qu'ils ont fait poser aujourd'hui sur 3000 travailleurs en Allemagne, menacés de perdre leur emploi à nouveau, eh bien grâce à ça, ils ont pu multiplier le montant de leurs actions en les augmentant de 1500% en 4 ans.
je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quelqu'un qui avait 100 millions, il a racheté des actions, il se retrouverait avec 15 milliards aujourd'hui. La propriétaire de Continental, Madame Schaeffler, en deux petites ventes d'actions qu'elle a faites, l'une il y a 8 mois, l'autre il y a encore quelques semaines, a pu ramasser 3 milliards d'argent de poche pour subvenir à ses petits besoins. Et pendant ce temps-là, des milliers de travailleurs ont été sacrifiés. Eh bien, nous venons dire, nous sommes mobilisés, c'est ça cette victoire, que cette dictature des plus riches, cette complicité de l'État, parce que certes, le ministre de l'Emploi va nous envoyer une délégation pour être reçu, mais rappelons quand même qu'il y a quelques mois, au mois d'août 2012, Michel Sapin a signé un courrier dans lequel il disait que la fermeture de Continental était justifiée. Aujourd'hui, sa décision a été cassée par le tribunal administratif d'Amiens, mais n'empêche qu'il l'a fait. Alors il faut que l'État cesse. Nous exigeons que l'État, qui a signé un accord en septembre 2012, respecte ses engagements. Que la ministre de la Justice, qui a le pouvoir de poursuivre les délinquants, poursuive le délinquant de Continental, qui ne respecte pas la loi, qui ne respecte pas ses jugements, qui ne respecte pas ses accords. Nous, travailleurs, nous réclamons justice pour les travailleurs. On a demandé pour le retour